écoutez, je vous en prie. On va continuer. Il n'a rien oublié. Il est en face. Mais nous, on a dit, ne vous inquiétez pas. Venez me trouver en prison. On va discuter, je vais vous donner les faits. Ils m'ont trouvé. Je vais leur donner les faits. Ils ont dit donc on va gagner une fonction. C'est ça, on va gagner une fonction. Parce qu'elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires sans parler de paix. Bon. Alors, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est de me garder longtemps pour que ici, on puisse finir de combat. La justice même ne se réunissait pas toujours. On a commencé. On va écouter. On a arrêté en 2011. On a commencé le procès en 2016. J'étais là-bas comme ça. Il fallait faire le temps, il fallait regarder. Mais on va faire le procès, on va aller jusqu'au bout. Parce que ici à Beauville, il a parlé de la BCAO. Ici à Beauville, je voudrais que Bachili, j'espère que tu te rappelles, j'ai toujours demandé au président Goïta, j'ai même réitéré la même demande au général Tiani. Lorsque l'UMOA a sanctionné le Niger, j'ai demandé, j'ai dit le président Laurent Gbagbo, quand il a été mis sous sanction par la BCAO et l'UMOA, il a nationalisé les banques en Côte d'Ivoire. Quand il a nationalisé, c'est avec l'argent là de ces banques-là qu'il a payé le salaire des Ivoiriens. Gbagbo Laurent n'était pas un militaire, mais Gbagbo Laurent est allé plus loin que nos militaires. Il a eu le courage de nationaliser les banques de la BCAO en Côte d'Ivoire. Et ici, Laurent Gbagbo revient encore sur ses propos. Il dit qu'il a quitté la BCAO, il a quitté Dakar. Laurent Gbagbo revient, il dit quoi encore? Il dit, le Mali, le Niger, le Burkina, il lance un appel et un conseil d'un aîné à ses jeunes frères. Je ne sais pas trop entre lui et le général Tiani qui est plus âgé, mais sur le plan de l'exercice du pouvoir, il est le doyen des trois. Et là, il leur dit, n'allez plus à Dakar. Quand il dit n'allez plus à Dakar, ce n'est pas que nous avons un problème avec la République du Sénégal. Non, quand il dit n'allez plus à Dakar, Dakar est le symbole de la France-Afrique à travers le franc CFA. C'est pourquoi, lorsque Ousmane Sonko veut renégocier les accords du franc colonial, nous sommes contents. Mais je vous le jure, chaque jour que je me réveille, je prie Dieu pour la vie du président Faye et pour la vie du premier ministre Sonko. N'oubliez pas que c'est à Dakar que se trouve le siège de la BCAO. Le siège de la France-Afrique monétaire, c'est à Dakar. Et chaque fois que je me réveille, je crains pour la vie d'Ousmane Sonko et du président Faye. Parce que s'ils vont jusqu'au bout de leur logique de la souveraineté monétaire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, il n'y aura pas un coup d'État au Sénégal? Est-ce que la France n'ira pas jusqu'à orchestrer un coup d'État au Sénégal? Parce que là, les gens ne voient pas ça venir. Les gens s'amusent. Si le Sénégal dit non au franc CFA, c'est terminé. Il n'y a plus de coup, il n'y a plus rien. C'est terminé. La Côte d'Ivoire n'est plus rien. Alors, les enjeux aujourd'hui au Sénégal sont plus énormes que quand le Mali décide de quitter ou le Niger décide de partir ou le Burkina. Le Sénégal, c'est plus dangereux. Ce n'est pas tout. La France a une base militaire bien installée. Et je vais vous dire, le conseil que je vais donner à Ousmane Sonko et à Faye, c'est d'abord un d'arrêter de sous-traiter les renseignements militaires, les renseignements, je dirais peut-être civils. Je vais revenir encore. Je vais revenir en arrière. S'il y a des Sénégalais qui sont connectés, je commence à comprendre pourquoi Dieu a fait tout pour que je puisse sortir ce soir, parce que je comprenais pas trop moi-même. Ce que j'avais à faire, curieusement, le travail était tellement balèze que ça a été fait en un temps record, sans souci, sans fatigue, sans, je sais pas, je l'ai fini, j'étais étonné. Parce que quand j'ai vu, c'était, je vais être honnête, c'était, je pouvais pas finir et puis sortir. Mais j'ai fini. Et tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Des heures avant même que je puisse. J'ai dit, bon, Bobo a parlé de CFA. On va parler du CFA. Mais en réalité, Gbagbo n'est qu'un élément, un catalyseur
C'est maintenant que je vous parle que je comprends. Parce que très souvent, quand je vous parle de certaines choses, ne croyez pas que on s'assoit, je m'assois et puis je prépare, je prends un bic, je commence à griffonner les choses, je sors et puis je vais vous parler. Non. C'est dans le feu de l'action souvent que je reçois, moi, en ce qui me concerne, ma révélation. C'est là que je comprends que Babou Laurent n'a été que l'élément de départ, mais la finalité. Je pensais que c'était encore l'AES qui était la finalité, mais je me rends compte que ce n'est pas l'AES, c'est plutôt Ousmane Sonko et le président Faye. C'est maintenant que je parle, et puis je reçois cette requête. C'est eux qui sont plus en danger qu'Assimi Goïta, que le capitaine Traoré ou le général Thiène. C'est eux qui sont menacés aujourd'hui. Mais la menace, elle est encore souterraine. La France est en train de préparer quelque chose de façon souterraine. C'est pourquoi quand Keïta sort, quelqu'un aime le dire, la bête noire de l'Occident, la bête noire de la France-Afrique, c'est Keïta. Moi, j'aime bien ma chérie Nathalie quand elle parle beaucoup. Souvent, elle touche certaines réalités. Il y a un véritable danger qui est là. Le Sénégal n'a jamais connu le coup d'état militaire. Mais il y a une probabilité que le mandat du président Faye soit perturbé. Si le Sénégal ne se lève pas pour faire un, comme le peuple malien a fait un avec Assimi Goïta et la transition, comme le peuple burkinabé a fait un avec le capitaine Traoré et la transition, comme le peuple nigérien a fait un avec le général Tiani et la transition. Si le peuple du Sénégal ne se lève pas pour devenir un avec le président Sonko et le président de la République Faye, pour ne pas frustrer les uns et les autres, si le peuple sénégalais, je reprends, ne se lève pas pour devenir un avec le premier ministre Sonko, pour devenir un avec le président Faye, je vous jure qu'il y aura un coup d'état au Sénégal. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il est bien assis, fondamentalement bien assis, et qui est dans le secret des cieux, mieux que moi, que ce que je reçois, que c'est un jeu, je vous en prie, même que Christian Pi n'est pas dans cette révélation, il est petit ici. Ce que je vous donne, jetez ça comme vous voulez. Je prie Allah, en ces derniers instants de ce mois de jeûne, je prie Allah que je sois dans le faux. Je prie Allah que je me trompe. Je souhaite que je me trompe. Je souhaite que je me trompe. Et ma plus grande, je vous jure, j'ai peur. Et c'est rare que Keïta dise qu'il a peur. Vous me connaissez. J'ai peur pour le président Faye et pour le premier ministre Sonko. Si vous croyez que je cherche de la visibilité à cause de Dieu, ne partagez pas. Si vous pensez que je cherche de la visibilité à cause de tout ce qui m'est cher, si vous croyez que je cherche la visibilité et que si vous partagez ma vidéo, je ne vous pardonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Si vous croyez que je cherche la visibilité et vous partagez ma vidéo, que Dieu vous condamne. Je ne cherche pas la visibilité. Je sais de quoi je parle. Là où je suis assis, seul Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, peut me détrôner. Aucun être humain issu d'un homme et d'une femme, vous ne pourrez pas me détrôner. Et ce que je dis, ce n'est pas un jeu. Et Ousmane Sonko sait très bien de quoi je parle. Vous n'avez qu'à regarder qui a été nommé ministre de la Défense, qui a été nommé ministre de l'Intérieur. C'est des hommes que je ne connais pas. C'est des personnes que je ne connais pas. Les deux généraux qui ont été nommés, je ne les connais même pas. Je ne connais même pas. Je ne suis jamais allé au Sénégal. Mais ces deux choix-là confirment la crainte que j'ai. La nomination du général en tant que ministre de la Défense confirme les craintes que j'ai. Et je demande au président Faye de changer le directeur du renseignement sénégalais. Je répète, je demande au président Faye de démettre de ses fonctions le directeur du renseignement. Le renseignement intérieur et le renseignement militaire. Avant de continuer avec mon direct, s'il y a des Sénégalais ici, et si vous ne faites pas en sorte que le président Sonko, peut-être qu'il est avisé à ce niveau, je demande que le directeur du renseignement sénégalais soit démis de ses fonctions. Les deux. Il y a, dans le monde du renseignement, il y a beaucoup de types de renseignements, mais il y a trois généralement que moi je connais. Le renseignement militaire, le renseignement, je peux dire civil, et il y a un autre renseignement qui est rattaché à la présidence. Et en général, le renseignement qui est rattaché à la présidence fait la coordination entre le renseignement qui est géré par le ministère de l'Intérieur et le renseignement qui est géré par le ministère de la Défense. Donc, il y en a même qui se donnent le plaisir d'avoir un service de renseignement au niveau de la primature. C'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Normalement, il y a trois services clés de renseignement. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et la présidence. En réalité, le renseignement de la présidence sert de coordination entre le ministère de l'Intérieur, le renseignement du ministère de l'Intérieur et le renseignement du ministère de la Défense. C'est à ce niveau que c'est le ministère, le renseignement de la présence fait le tri, la collecte
la vérification et remonte l'information au niveau de la cellule de crise, ce qu'on appelle le Conseil de sécurité, le Conseil national de sécurité. Tous les pays du monde ont leur propre Conseil national de sécurité. Et le Conseil national de sécurité est présidé par le président de la République. Alors, l'information, le renseignement militaire, le renseignement au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a la collecte des données au niveau de la présidence. Donc, ce sont ces différentes données qui sont remontées au niveau du Conseil national de la sécurité. Et c'est à cela que le président est briefé sur les menaces imminentes contre l'État. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne le Sénégal, je demande au président Sonko de démettre l'ancien directeur général du renseignement au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense et de la présidence. Et celui qui est chargé de collecter les informations au niveau du Conseil national de sécurité. Il faut démettre toutes ces personnes-là de leurs fonctions et reprendre en main le renseignement au niveau du Sénégal. Et arrêter de sous-traiter le renseignement et avec la CIA et avec la DGSE. Parce que tant que la DGSE sera impliquée dans le renseignement sénégalais, les coups d'État seront prévisibles au Sénégal. Il y aura un coup d'État forcé. Parce que aujourd'hui, vous croyez qu'il n'y a pas un service de renseignement? Les Américains sont au Sénégal. Et aujourd'hui, la plus grande crainte de l'Union européenne au niveau de la pêche, parce que le Sénégal veut renégocier tous ces secteurs-là, la pêche. Et la pêche, c'est la famine en Europe. L'Europe vient voler les poissons au large de Dakar. Et le président Faye, il dit désormais, les thoniers, les bateaux de pêche de l'Union européenne devront rester à 20 km des côtes sénégalaises. 20 km. Ça va poser un problème à l'Union européenne, qui donnait l'argent gratuitement à Macky Sall, qui empochait. Cet argent n'a jamais servi les pêcheurs sénégalais. Il y avait une compensation que l'Union européenne, c'est des milliards que l'Union européenne versait à l'État sénégalais pour dédommager les pêcheurs sénégalais. Parce que les bateaux de l'Union européenne venaient pêcher au large même des côtes sénégalaises. Mais où est parti cet argent? Macky Sall, où est parti cet argent? Que Macky Sall justifie cet argent. Je vous ai dit que quand vous ne voulez pas faire quelque chose et Dieu vous incite à sortir, vous n'êtes plus maître de ce que vous dites. C'est Dieu lui-même qui vous conseille. C'est Dieu lui-même qui met ces choses-là dans votre bouche, dans votre esprit. Et puis vous devenez un canal pour les véhicules. Que quelqu'un vienne s'arrêter de « Oye, 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 non, on n'est pas dans « oye, oye, non, mais on est assis posé et puis on parle. Et personne ne peut, je dis toujours, dans ce domaine-là, je suis bon. On ne peut pas me damer le pied ici. Parce que je suis établi par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Ce que vous croyez, je m'en fous. Que vous ne croyez pas, je m'en fous. Vous n'avez qu'à regarder ce qui sort de ma bouche. Si c'est comparable à ce que vous entendez, oui, 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 à côté. Venez. Je suis attaqué, ça je le sais, le direct est attaqué. C'est pourquoi vous devrez redoubler d'efforts par les pouces bleus et les cœurs pour sécuriser le direct. Je continue. L'Union européenne déversait de l'argent depuis des dizaines d'années à Macky Sall. Où est parti cet argent? C'est des milliards de nos francs qui ont été déversés dans les caisses de l'État. Personne n'a vu. Les Sénégalais, j'ai entendu des pêcheurs sénégalais qui aujourd'hui vivent dans la disette, dans la précarité la plus absolue. Ils disent, c'est ce qui explique que beaucoup de jeunes gens sénégalais aujourd'hui s'embarquent dans des embarcations de fortune pour tenter de traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Les Européens ont du mal à comprendre. Toutes ces subventions, tout cet argent qu'ils donnent de gauche à droite, on ne voit pas l'impact de leur investissement direct sur la vie de ces jeunes gens-là. Parce que on a des élites voleurs, crasseux, corrompus, tels que Macky Sall, sa famille, toutes ces clics et ces claques qui ont pillé et volé l'argent du Sénégal. Ce n'est pas tout. Le franc CFA dont parle Laurent Gbagbo, il dit que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, le risque d'un soulèvement, si vous croyez que Ousmane Sonko, Premier ministre, va s'asseoir confortablement dans son fauteuil de Premier ministre et ne pas connaître les soubresauts, ne pas connaître les tumultuaires, les violences, c'est que vous n'avez rien compris encore de la politique occidentale qui a tendance à vouloir nous déstabiliser. Ousmane Sonko sait, c'est pas qu'il est assis dans un fauteuil éjectable, non. Il sait que sa vie désormais, Ousmane Sonko, il a décidé désormais de sacrifier sa vie pour la cause du Sénégal. Parce que quand ils vont commencer les réformes, j'ai vos yeux que vous allez voir la France activer ses réseaux au Sénégal. Parce que Macky a laissé le temps à plein d'ONG venir s'installer au Sénégal. Le Mali a commencé à décapiter les ONG de déstabilisation. Le Mali a commencé, Assimi Goïta a commencé
à démembrer, démanteler et chasser tous les déstabilisateurs tapis dans l'ombre des ONG. Dieu seul sait combien d'ONG vivent au Sénégal. Au Mali, il y a au total 37 000 ONG. Vous avez bien compris. 37 000 ONG. Et sur les 37 000, il n'y a seulement qu'une petite poignée qui sont régularisées, c'est-à-dire qui vivent selon la législation malienne. Donc, plus de 30 et quelques mille, je peux dire, sur les 37 000, il y a encore 37 000 qui exercent illégalement au Mali. Il a dit tout récemment au Mali, le gouvernement malien a bloqué une aide soi-disant de près de 60 millions d'euros, à peu près 4 milliards de nos francs. Et il regarde à quoi va servir ces 4 milliards de nos francs. Il se rend compte que l'ONG en question exerce illégalement au Mali et a des ramifications avec les chefs terroristes qui déstabilisent le nord du Mali. Et l'argent là venait où? Venait de l'Union Européenne. Les 60 millions d'euros. Le Mali a dit non et le Mali a refusé. Aujourd'hui, je demande à Ousmane Sonko. Nous, aujourd'hui, on a une expertise là-dedans. On est bien doué aujourd'hui. Et on sait comment démanteler ces réseaux. Sinon, comment le Mali peut savoir qu'il y a plus de 37 000 ONG au Mali? Je dis, mais je n'ai pas les 37. Je n'ai pas les 3500. Je dis 37 000 ONG au Mali. 37 000 ONG. On va faire quoi avec ça? Comment un pays comme ça, avec tous ces éléments-là, 37 000 ONG, vous croyez que le Mali va s'en sortir? Le Mali va aller où avec ça? Alors, quand les gens sortent et puis disent organiser élection, mais les 37 000 ONG tapis dans l'ombre sont prêts à pistonner et sortir, pousser des jeunes gens avec des miettes qu'on va leur donner de protester et de contester. Mais ils ont compris qu'il y a des gens au Mali. Pas seulement le président Assimi Goïta, pas seulement le ministre de la Défense Sadio Camara, pas seulement le ministre de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, pas seulement le premier ministre Chogal Kokala Maïga, pas seulement le ministre des Affaires étrangères ou le président de CNT, mais il y a encore des gens au Mali, en l'occurrence, en première ligne, Cheikh Oumar Keïta. Ils savent que quand nous, on est saisis de leurs activités, on sort avec une violence que vous ne pouvez imaginer. Et le gouvernement malien, on donne la possibilité, on donne à l'État du Mali la force de frapper ces ONG-là et de les extirper, les jeter hors de notre territoire. Nous donnons les armes à l'État pour les foutre dehors. Et Cheikh Oumar Keïta fait partie de ceux qui donnent les armes à l'État du Mali pour foutre dehors tous les fauteurs de troubles. Ils le savent, c'est pourquoi ils nous attaquent au quotidien dans nos interventions. C'est pourquoi, une fois de plus, c'est pourquoi, deux fois de plus, c'est pourquoi, trois fois de plus, peuple du Sénégal, je vous en prie, parlez à Ousmane Sonko, au président Fouet. Il y a encore des jours sombres qui arrivent au Sénégal. Je ne suis pas alarmiste, je suis réaliste. Parce qu'ils vont toucher aux intérêts, aux fruits défendus. La France-Afrique, le berceau de la France-Afrique, c'est le Sénégal, c'est le Gabon. Pourquoi le procès de Ali Bongo jusqu'à aujourd'hui ne peut aller quelque part? Qui vous croyez qui a appelé pour dire arrêtez-moi ce cinéma? C'est la France-Afrique. Pourquoi Ouattara ne peut pas se passer de Macron? Qui a financé à hauteur de 1000 milliards ce soi-disant métro d'Abidjan? Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu le bout du tunnel. On ne sait pas à quoi ça avance. Mais 1000 milliards ont été donnés. Où est parti tout cet argent? Mon frère, il n'y a pas fait d'arrondir à 40 milliards. C'est 40 milliards. Et l'arrondir à 40 milliards, c'est pas 40 milliards. C'est plus que ça même d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on nous a dit officiellement et ce qu'on n'a pas dit officiellement. Est-ce qu'on peut savoir? Hein? Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que l'État a saisi. Et ce qui passe dans le dos de l'État, ce qui passe par l'Algérie, ce qui passe par la Mauritanie, ce qui passait encore il y a un temps par le Niger, dont on ne savait pas. C'est parce qu'aujourd'hui que tout est bloqué, le Niger a bloqué, qu'on a pu voir ça. Et ce qui passe par l'Algérie, et qu'on n'arrive pas à voir, c'est pas plus de 40 milliards. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Ils financent pour que notre pays soit déstabilisé. Mais alors, où se trouve la banque centrale de l'UMOA? La banque centrale du franc CFA, ça se trouve où? À Dakar, au Sénégal. Donc imaginez que le Sénégal décide de sortir du franc CFA, alors que c'est à Dakar que se trouve le siège du franc CFA. Vous croyez réellement que la France va permettre cela? Que la France-Afrique ne fera rien pour perturber le programme, le projet PASTEF? Réfléchissons un peu, analysons ensemble un peu, comprenons un peu. Vous croyez réellement qu'ils n'y vont pas, qu'ils vont rester bras croisés, regarder le président Faye et le premier ministre Sonko réaliser leur projet pour le bien-être du peuple sénégalais sans que la France ne se lève? Pourquoi croyez-vous que dès le premier jour, pendant la prestation du
le serment du président Faye, la Banque mondiale négociait déjà un premier rendez-vous avec le président. Pourquoi? Je vous l'ai dit hier. Pourquoi la Banque mondiale était là-bas? La même Banque mondiale qui est venue négocier avec Assimi Goïta avant-hier. La même Banque mondiale qui est passée au Burkina Faso. La même banque mondiale, qui allait demander pardon au Niger. On nous dit que nous sommes pauvres, mais on est incapables de nous laisser tranquilles. Mais pourquoi dans notre pauvreté, vous insistez à nous donner crédit? Vous insistez à, selon vous, aide budgétaire, aide au développement. Alors qu'on vous dit qu'on n'a plus besoin de tout ça. Mais vous êtes toujours dans notre dos. Ma chérie, je ne t'aime pas. Tu es vilaine. Tu es noire. Tu as gros nez. Tu as cheveux crépus. Elle dit, je suis d'accord tout ça. Elle trouve quelqu'un d'autre qui dit, oh, voilà la femme que je veux. Véritable femme africaine. Voilà. Tu as toutes les qualités de la femme africaine dont je veux. Et maintenant, toi, tu le viens, tu dis, ah, tu ne veux pas la laisser. Alors qu'elle a déjà trouvé quelqu'un. Maintenant, tout ce que tu as dit sur elle, elle est d'accord avec elle, c'est pas plein. Maintenant, quelqu'un d'autre trouve ces qualités-là extraordinaires. Et dès que tu vois ça, tu deviens fou. Tu ne peux pas. Maintenant, là, tu vas dormir derrière la clôture. Toujours, c'est toi qui deviens, on dirait, perroquet. Tu tisses ton cou seulement pour voir. Elle assise, elle est en train de boiter avec son nouveau un chouchou qui est là, qui a déjà payé la dot, qui va la prendre pour la déposer chez lui. Maintenant, toi, tu es là, dans la journée. Tu es couché, tu es caché derrière les arbres, sous le soleil, dans la poussière, tu regardes la porte, qui va rentrer, qui va sortir. Elle a déjà fini avec toi, elle a tourné le chapitre, mais tu es incapable de la laisser. C'est la même histoire que nous vivons avec ces gens-là. Ils nous traitent de tout, de pauvres, de mendiants, d'idiots, d'animaux, mais ils sont incapables de nous laisser. Comme l'a dit un pêcheur sénégalais, vous ne voulez pas nos enfants chez vous, mais vous voulez nos poissons dans vos assiettes. Voilà la réalité. Vous ne voulez pas voir des Nigériens chez vous, mais vous voulez le courant du Niger chez vous. Vous ne voulez pas voir des Maliens, des Burkinabés, des Ivoiriens chez vous, mais vous voulez notre café, notre cacao, notre pétrole, notre gaz. Vous voulez, nous, notre richesse naturelle chez vous. Quelle contradiction. Vous ne nous aimez pas, mais vous aimez ce qui vient de chez nous. Et Ousmane Sonko, ils disent, on va renégocier le CFA. Mais avec qui tu vas renégocier le CFA? D'accord? Puisque la Banque Centrale se trouve au Sénégal. Donc la négociation sera facile. Il faut maintenant appeler. Qui est le gouverneur de la Banque Centrale? C'est un Ivoirien, c'est Jean-Claude Brou. L'ancien président de la commission de la CEDEAO, c'est lui qui a Alassane Ouattara à nommer. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui nomme le gouverneur de la BCAO. Alors, comment ils vont procéder s'ils convoquent les pays de l'UMOA pour discuter et que Macron dit à Alassane Ouattara, tu es venu me demander ton quatrième mandat, je ne voulais pas te donner ton quatrième mandat, maintenant je suis prêt à te donner ton quatrième mandat, mais les enfants, là, il faut les empêcher de toucher au franc CFA. Parce que là, c'est pourquoi les gens de la géopolitique, c'est comme ça que ça fonctionne.